Voilà, bienvenue dans la nouvelle émission, le nouveau concept avec mon frère Yuri, moi-même Aziz Aboudra. Faites un maximum de bruit pour le Gaulerie Show. Partager ceux qui font les meilleures vannes. T'es prêt, Pablito, ou pas? Hey, c'est qui le mec derrière lui, là? C'est son garde du corps. C'est le garde du corps de Pablito. Si, en gros, on n'est pas d'accord avec Pablito, bah, en fait, on est obligé d'être d'accord, en fait. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Il en fait, frappe si t'es pas d'accord, t'es d'accord. Il frappe les gens pour vivre. Non, mais lui, là, il ne joue pas avec son travail. Ne joue pas avec son travail. Si c'est nul, je mets ça. Voilà. Et si c'est bon, tu mets... Voilà. Et si c'est vraiment claqué, je mets ça. Pas mal, voilà, on a capté le délire, on a capté le délire. Veuillez applaudir Pablito, s'il vous plaît, il fait du bon travail. Il a bossé, hein. Ah. Il a bossé. Putain. On va faire la séquence de la photo. Exactement. On s'est cassé la tête pour trouver un titre ça exemplaire. Ça s'appelle vraiment la séquence de la photo, voilà. La séquence de la photo est simple, on va afficher au hasard une photo d'enfance de certains membres des deux équipes. Le but est d'enchaîner les vannes sur la photo, l'équipe qui aura fait les vannes les plus drôles remporte un point. Et aura le privilège de commencer sur tous les jeux. Allez, balance-nous une photo, ouais, la régie. Excusez-moi. Alors, excuse-moi, mais je suis sûr que t'as la même taille. Alors, moi j'en dis Kirikou, mais habillé. Excuse-moi, t'es parti faire un pique-nique avec. Gratuit. Allez, elle est comme ça. Oh waouh. Attends, attends. Okay. Hey, c'était vraiment ton short ou le caleçon de ton père, frère? Non, je rigolais. On dirait pas il a mis deux chemises, une en haut, une en bas. J'ai rien à dire sur les habits, mais c'est un garant ou une ceinture? Attends, il est sorti d'une prise de sang. Eh, son sang, il est bien rangé en ligne. En fait. Mais attends, je suis sûr que tu t'es pris une bonne gifle hein, pour faire cette photo. Ça se voit, je suis triste même. Mais là, on dirait que nickel photographe, sa mère. La régie, tu vas pas balancer d'autres photos. Alors, attends, mais wow. Là, t'avais la jaunisse là ou c'est comment? Awatef, elle a pas l'air plus vieille là que là, Bichette. Je vous jure, cette photo-là, on dirait qu'après, elle a fait Waranio. Eh, moi, juste un truc, Awatef, ça c'est une lèvre ou un miroir? Il y a tout qui se reflète. On voit même ton. Awatef, sérieusement, tu sais, quand je vois ça, j'ai l'impression, tu vois, les téléfilms, t'as l'effet de l'amour des années 90. Et tu vois, tu prends de l'alcool et tu fais Victor. Elle a dit Victor. Excuse-moi, c'est un carré plongeon ou un carré à la piscine, un qui nage? Un carré nageant. Ah, mais... La ville, ça c'est toi ça. Attends, juste un truc. Dès que je vois cette photo, j'ai envie de chanter. Personne dans le monde. Dis que tu vas finir vigile dans un parking. On t'a dit si tu fais pas la photo, tu manges pas. On dirait trop un fils de dictateur, genre le fils de Mobutu. Tu vois ce que je veux dire? Eh, juste un truc. Eh, tout le monde te taille, mais quelqu'un a vu la cuisine insalubre? C'est pas rangé. C'est dégueulasse. Tu sais pas ranger. Là, ce mec, t'es un malpropre.
C'est moi. Ah, c'est toi. Ouais. Mais vous forcez pas quand c'est parfait, il faut dire c'est parfait. Okay. Bon, okay. Voilà, quand je vois cette photo, j'ai envie de manger du jambon Herta. Et faire. Et qui s'appelle le Rio JC. Ok, Pablito, du coup, pour cette manche, qui a fait les meilleurs vannes, les vannes les plus drôles? Quelle équipe? L'équipe grecque ou l'équipe tacos? Fais très attention, Pablito. Les deux équipes me regardent comme ça, je me sens menacé. Non, 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 t'es libre. T'es libre. Il l'a dit, n'aie crainte. Non, Pablito. Non, mais parce que je rappelle, il frappe les gens pour vivre. Vous avez été très drôle. Arrête de mentir, mais l'équipe. Si. Il y a des blagues qui m'ont fait rire. Mais les Grecs ont été plus gros. Oh, il a pas compris les Grecs, lui. Prochaine manche qui s'appelle à ne pas dire, à ne pas faire. On impose une situation aux deux équipes. Et chaque membre des équipes s'avance pour présenter ce qu'il ne faut pas dire, ce qu'il ne faut pas faire pendant cette situation. L'équipe tacos, on va vous donner un thème. L'équipe kebab, on va vous donner un thème. Et le thème, c'est l'accouchement. Dédicace à toutes les femmes qui subissent cette épreuve. Merci aux mamans et à toutes les femmes. Ma mère, ma femme, tout à l'heure. Allez. En fait, ça va, ça fait pas mal en vrai. Ah, comment je vais prendre des followers avec ça? Bon, on est prêts, je lance ma vanne ou c'est comment? Ouais, c'est bon. Là, j'accouche? Ouais, accouche. Ah, j'ai mal! Ah, salaud, c'est à cause de toi! Non! Ah. T'inquiète pas. Wesh, la team, on dirait d'accouchement, gros! Ah. Ça sort comme ça sort, frère! Ah. Oh. C'est pas bien! Ah, le bâtard! Allez-y. Ah, oh, voilà. Excusez-moi, c'est vous le père? C'est moi, non, c'est toi, ça. Non, il ressemble au témoin de Jéhovah, lui. Quoi, ce bordel? Qu'est-ce qu'il vient voir, ça, un peu? Oh, regarde la tête du truc, là. Mais non, ça, c'est la tête du facteur, les recommandés. Souki, viens. C'est le cousin Richard. Ah! Yuri, c'est... Ah, ça, c'est les têtes des voisins, là. Le voisin qui est en bas, là, c'est la même tête, c'est pas le père. Excusez-moi, madame, vous avez couché avec tout le village ou quoi? Mais non, c'est mon fils, bande de cons. Okay. Madame, je suis le docteur, je suis désolé, j'ai une mauvaise nouvelle. Votre bébé... Bien vivant! Oh hey, non! On va avoir un problème! Pablo, tu décolles là! Ouais! Bébé, tu m'avais dit que je pouvais lui donner le prénom de quelqu'un que j'aime. Je vais l'appeler Sarah, comme mon ex. Oh. Là, je suis pas médecin, je vais juste regarder. Oh non! Mais non! Mais je peux toucher? Mais qu'on lui mette un bracelet électronique! Madame. Écho! 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 Il y a eu du passage! Oh, il est trop moche, vas-y, remettez-le. Oh. On Ok, madame, ça va le faire. Tout va bien se passer. Il faut juste bien m'écouter, ok? Alors, comme moi, comme je dis. Hein. On pousse, madame. On pousse. Non, maman là. Putain, elle en a mis partout, pas ce trou-là, madame. Allez, madame, voilà, c'est bien. Faut pousser. Allez, on pousse, madame. Voilà, on y va, on pousse. On pousse, mais wow, qu'est-ce qui se passe? Wow. Hein? Ah, toi aussi, t'es dedans? Ah, vous êtes les ex qu'on cherche depuis 2 semaines. Bienvenue dans la tocha, mon frère. Okay, allez-y, madame, poussez, il arrive.
Mais c'est quoi ce monde de merde? Allez-y, allez-y, madame, allez-y, allez-y. Oh. Mais pas fini, là. Oh non. Attendez, j'ai pas fini. Je repasse le mois prochain. Quel bâtard. Qui a fait les meilleures vannes? Mais l'équipe des tacos, quand même. Mais non. Attends. Regarde, c'est là où je vois que lui, c'est un bon DJ. Regarde, non, toi, t'iras loin. Non, t'as crié. On dirait que c'est ton premier examen que t'as remporté de ta vie, frère. On est pas loin. Même le permis, tu l'as pas. Pour ce jeu, chaque équipe doit présenter des situations de la vie quotidienne qui sont parfois drôles, tristes ou énervantes. Et si le public se reconnaît dans cette situation, ils doivent crier. Et quand le serveur il dit bon appétit, tu dis merci à vous aussi. On est ensemble. Bon, je veux parler aux hommes là. Au début de la relation, les femmes elles veulent toujours un homme gentil, mignon, machin. Deux mois après, ils veulent un gars méchant qui tabasse. On est ensemble ou pas? On est ensemble. Non, parce que c'est exagéré. Et en même temps, avec un nom comme ça, tu t'attendais à du romantisme. La Leleu. Mec, il s'appelle la Leleu, c'est le fils du Kama Sutra. Excuse-moi, il y a la voiture qui essaie de démarrer, là. Eh, hey, Pablo, fais aucun son, frère, si tu veux pas de problème. Laisse-moi faire mon travail, je te laisse faire le tien. J'attends la veille. Garde du corps, pas comment garde. Comment ça, tu le menaces, wesh? À mort, allez. Ah là, j'ai un côté arabe qui sort d'un coup. Ce que je voulais dire, t'es au téléphone, c'est un coup de fil pro, hyper sérieux. À la fin, avant de raccrocher, tu dis bisous. On est ensemble. Eh, criez mon nom maintenant! J'y sais! Ah bon? Ah! En vrai. Maintenant, t'es en train d'envoyer un texto à ton pote ou ta meuf, et tu fais une capture d'écran pour l'envoyer à quelqu'un d'autre, mais en fait, tu l'envoies à la personne concernée! Quand tu vas chez tes beaux-parents, tu vas au show, tu lâches un gros cake, mais que la chasse, elle fonctionne pas. Ah non, on est ensemble ou pas? On est ensemble. Vous savez, quand vous êtes un fraudeur né, genre vous fraudez depuis toujours, il y a un jour ou l'autre, vous vous dites, ah non, aujourd'hui, je vais être un citoyen modèle, je vais pas frauder. Je vais prendre mon ticket, mais comme par hasard, ce jour-là, il y aura pas de contrôleur. Tu vois ce que je veux dire? Vous connaissez ou pas? On est ensemble. On est ensemble. Eh, vous savez, quand quelqu'un vous dit un mot grave compliqué, vous allez chercher la définition et même la définition, vous la comprenez pas. On est ensemble! C'est pas relou quand tu fais tes courses, t'as rien demandé à personne et il y a lui là. Le vigile. Il te regarde comme si t'avais volé un truc de ouf. On est ensemble ou on est pas ensemble? On est ensemble! Merci. J'ai rien volé, messieurs. Ah, ok. Quand tu la chattes sur le réseau, que ça passe crème, ça match de fou. Mmh. Tu l'emmènes en rendez-vous, elle est magnifique, elle ouvre la bouche, elle te sort. Ouais, frère, je te jure la vie de ma mère, mon gars. On est ensemble. Ah, Suki, joli. Ouais, c'est moi-même. Ouais. Hey. Des coups de pied dans le vide, quoi. Ok, là. Prestance. La fille à sa mère. Ouais. La fille à sa mère. Ok, là, je vais m'adresser aux filles, ok. Bon, c'est une situation, vous voyez, vous avez votre crush, ça parle super bien. Vous envoyez un message, il est émis. Il a toujours pas regardé. Mais maintenant, il poste une story sur Instagram. Vous avez pas tous envie de le tuer? On est ensemble ou on n'est pas ensemble? On est ensemble. J'ai même bien entendu, on est ensemble. On est ensemble. Ok, non, hey, frérot, hey. Celle-là, t'es pas en âge de la comprendre, mais elle est bien. La Lolo, il a dit personne est en âge de comprendre ce que tu vas dire. Quand tu vas en partouze. Oh. Non. Non. Laissez-le, ça m'intéresse. Maman, je suis désolé pour ce qui va suivre. Quand tu vas en partouze. Et que personne veut te ken.
On est ensemble ou pas? Non, on est archi pas ensemble. Ça, c'est pas validé, ça. Mon gars, il est malade. Hey, mon gars, t'es tout seul, mon gars. Hey, 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 calmez-vous, ça c'est pour mes copines. Ok. Est-ce qu'il y a des filles à forte poitrine ici? Oui. On est que deux. Oui. Et on est que deux. Ok, bon, peut-être tu comprendras. Levez les bras. Est-ce que tu connais ça que quand t'as tellement des gros seins que quand tu vas à la plage, t'es obligé de creuser deux trous pour t'allonger sur le ventre? Ou pas? On est ensemble ou pas? On est ensemble! Du coup, la séquence, ça vous a plu ou pas? Ouais. Ok, du coup, les points là, qui a gagné? Pablito! Ah les gars! Est-ce que c'est l'équipe kebab ou l'équipe tacos? T'entendais quoi là? Pablito, je t'ai dit, t'étais un bon DJ déjà de vous. Le peuple a la vérité, mon frère! Les partout, c'était nul, hein. Les partout, c'était nul. Non, mais à part ça... Les tacos! Bon, prochaine épreuve. Shape Game. Le principe est simple, un modèle féminin ou masculin se met au milieu de la scène. Et chaque équipe doit essayer de la séduire de la façon la plus drôle ou la plus originale. On va appeler la demoiselle, notre modèle. Bombe. Voilà. Tous les matins, vous pouvez la voir si vous voulez, entre 6h et 7h comme ça. Sur C8. Elle donne des cours de gym sur C8, cette demoiselle. Oui, 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 oui. Eh oui, et moi, ça se voit que je regarde pas le cours de gym. Et aussi, elle a un concept qui s'appelle Chili Shape and Dance. Faites un maximum de boucan pour la belle Neila. Donc ouais, faut qu'il y ait une forme d'équité, les amis. Faites un maximum de bruit pour le beau gosse, monsieur Ruben. Salut beauté. Ton père serait pas un vendeur de weed parce que t'es vachement bien roulé. C'était petit. Oh, on peut faire mieux. Oh, elle va le manger, voilà. Waouh. Dis-moi, t'es entier? Entier? Mm-hmm. Entier, je suis entier. Des origines, c'est entier. Je te demandais si t'es entier ou bien t'es à demi, je sais pas. Entier. Entier, ok. Juste une seconde. Ouh, je suis déjà enceinte, bébé. Excuse-moi, j'étais dans les coulisses, j'ai fouillé dans tes affaires. Tiens, je te remets ta lampe d'Aladin et je suis là, il te reste que deux vœux. Non, j'avoue. Ça, j'aime bien. Est-ce que tu peux juste... Je crois que j'ai un problème dans l'œil, là. Tu vois rien? Non. Si j'ai un problème, j'arrive pas à détourner mon regard de toi. Je viens de capturer quelques orgasmes. Tu veux que je t'en donne un? Wow! Et dis donc. Tu me dégoûtes. Je vais la refaire. Et dis donc. Et tu sais que je suis pas cheminot, mais j'aimerais bien qu'on déraille, toi. Je suis recherché par la police. Je peux me cacher dans tes DM? Vous validez ça? Personne valide ça. Elle a dit c'est mignon. Donc moi je repars avec elle. Ça va? Pas trop fatigué?
Non, ça va? T'es sûr? Ça va, ça va. Tu m'as l'air un peu pâteau. Tu penses? Ouais. Tu sais, tu peux te brancher à moi si tu veux un peu de... batterie. C'est Chef Game, c'est pas Zouk Game. J'ai pas bien compris. Ok, ok, tu sais quoi? J'ai jamais été avec une femme, j'ai toujours été avec les hommes. Mais tu sais quoi? J'aimerais bien me synchroniser à toi. How about that, tu? Non. Oh. Ouais, ouais. Ouais. Tu sais pas ce que tu perds, ok? Tout le monde m'appelle à OTF. Non, c'est Awatef, par contre. Respecte mon prénom, s'il te plaît. Merci. Ouais, ça va et toi? Ça va. Je disais, tout le monde m'appelle Awatef. Ouais, Awatef. Mais toi, tu peux m'appeler ce soir. Et dis donc, tu sais qu'avec toi, je suis pas venu pour poser de la moquette. Hein. Ce sera plus parquet flottant, si tu vois ce que je veux dire. Salut toi. Tu sais, moi je sais que toi on brasse pas les inconnus. Alors je me présente, je m'appelle Azizinho, ça va? Tranquille? Bien, allez. Mon salut buzzer, c'est moi qui va te buzzer. Mais non. Tu sais que moi je me suis tapé Batman, Superman. Tu vas me ken, Orange Man. Tu sais, d'habitude, je suis un bon nageur. Là, je sais pas ce qui m'arrive, mais je me noie dans tes yeux. Eh, dis donc. Eh, dis donc. Eh, tu sais que je suis pas garagiste, mais je veux bien réparer ta pompe à eau. Putain, je sais pas ce qui m'arrive, j'ai perdu... Attends. Le goût, l'odorat, putain, je crois que j'ai le Covid. Viens, on va en quarantaine. Qui a fait les meilleures phases? Mais il y en a quand même, il y a quand même une équipe qui a fait plus le poids comparé à l'autre. Ouais, c'est qui? C'est qui? Franchement, les tacos. Ah, mais voilà! Le DJ balance du son et impose à certains membres des deux équipes de danser sur un thème précis. Première situation, tu danses comme si tu prenais ta douche. Vas-y. Allez, ouais. Allez. Ouais. Ouais, 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 prochaine situation, tu danses comme si tu te brosses les dents. Ok. Tu danses comme si tu braques une banque. Waouh. Ok. C'est validé. Prochaine situation. Tu danses comme si tu prépares un kebab. Oh. C'est ça, c'est pour Bibi. Allez, c'est parti. Aïe, 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 aï
prochaine situation, comme si t'étais un serveur. Comme si t'étais un serveur. Dernière situation. Tu danses comme si t'étais complètement bourré. On est pas cher payé, mais qu'est-ce qu'on se marre, hein. Ah, c'est génial. Oh, les deux équipes, vous avez assuré vraiment. Les deux équipes, vous avez assuré. Mais j'ai eu aucun buzzer, j'ai eu aucun mauvais buzzer quand même. Sérieux? Là, c'est bon. Mais je vais juger en fonction de la qualité de vos pas de danse. Ok. Vous avez capté? Et le travail d'équipe, hein, n'oublie pas. Le travail d'équipe. Ouais. Vous en pensez quoi, vous? Kebab. C'est toi qui juge. Je veux avoir le dernier mot. Silence là, le syndicat. J'aurai le dernier mot. Ça reste quand même l'équipe des kebabs qui danse le mieux. T'as été influencé. Mais qui a gagné? Le total, qui a gagné le plus de séquences? C'est vous qui avez gagné. L'équipe est à tous. J'ai fait un salto, mais c'était trop rapide. Public, c'était comment? Sur cette énergie, les amis, faut liker, faut partager et commente, mon pote. Et surtout, attendez les prochains épisodes avec impatience parce que ça va être plus lourd encore. Voilà, et n'oublie pas, si t'as quelque chose à dire dans les commentaires, quelle épreuve t'as kiffé, quel personnage t'as kiffé, balance, mon gars. Ok? Et n'hésite pas dans les commentaires à dire quelle équipe t'a le plus fait rire. Merci beaucoup. Allez, à bientôt. Yes.